Mesdames et messieurs, j'interviens deux petites secondes, enfin un peu plus, pour vous dire que la qualité audio de la vidéo est dégueulasse au niveau de mon micro. C'est normal, j'ai fait exprès de prendre un vieux casque pour rappeler les bonnes vieilles époques des 2015 où on s'en foutait du son. C'était le jeu qui comptait. Et on avait tous ce triton dégueulasse qui faisait un écho de merde. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous. Première journée sur Daylight, se balader à Rennes. On se rappelle tous de ces moments en 2016 où tes potes te rejoignaient. Tu rentrais de quelque part, tu bouffais Dying Light. Tes potes te rejoignaient. Instantanément. Tiens! Tout était fun dans ce jeu, tout était beau. Tiens, coupé. Allez, putain. Je vais réduire ta tête en bouillie. Je sais pas comment vous remercier. C'est vraiment pas passé loin. On donne la thune. Voilà comment je remercie. Donc oui, tout était parfait dans ce jeu, que ce soit de la musique, de la direction artistique, qui était quand même phénoménale et monumentale pour l'époque. Même encore aujourd'hui, je la trouve. La direction artistique, je la trouve beaucoup plus belle que Dying Light 2. Dying Light 2, ils se sont dit, bah tiens, on va faire ça, on va mettre ça, on va mettre des poubelles partout, des zombies partout, et les gens vont oser. Bah non, en fait, les gars. Et là, c'est un crochetage facile quand même. J'aurais pu juste faire ça depuis le début. Je vais pas forcément faire de mission de gameplay dessus, c'est juste par nostalgie de revenir dessus. Moi déjà perso je me le fais tout seul dans mon coin, en juif, comme on dit. Putain. Allez. Un mode titan. D'accord. Sur l'arrache-tout. Brut. Titan. Oui. Ok. Brut. Et titan. Ouais. Je l'ai préparé. Bah qu'est-ce qu'il fait toi? Merde, je me suis fait quelque chose. Bon, ma mission était de retrouver Yazi. Qui était dans les bas quartiers. Je peux pas en passer. Inga! Cette glissade monumentale. Tiens, voilà, bouffe. Attendez, je crois que c'est dans cette pharmacie que c'est super chiant à rentrer. Mais qui a masse truc? Il me semble, là, j'essaie d'entrer dedans. Non, déjà ça. Voilà. Je crois qu'il fallait le grappin, je crois, pour grimper dedans. Ouais, je crois qu'il fallait le grappin. Il y a plein d'endroits mythiques comme ça que je pense. Qu'est-ce que j'ai encore? Le pont, tu pouvais. La première chose qu'on faisait quand on arrivait sur le jeu, pour certains c'était dupliquer comme des gros porcs leur truc. Moi j'aimais pas ça, je l'ai fait vraiment à la fin pour le lire. Mais je crois que tout le monde s'est dirigé vers le pont. Parce
que le pont de l'autre côté, si tu arrives à traverser, tu avais masse soins, munitions et compagnie. Ouais. Dirigez-vous par là, les gars. J'ai la peine de vous taper. Est-ce que je me tape à aller voir Yazi? Ou alors j'attends vraiment qu'il fasse jour? Parce que là je suis bas level et on se souvient tous qu'ici la nuit ça craint du cul. Alors j'ai vu beaucoup dans les... Parce que le jeu revient en hype, hein. C'est pour ça que moi je me suis remis dessus. J'ai vu beaucoup de questions du style « ça se passe où ?» et autres. Ben, ça se passe juste en fait en Turquie, quoi. Mais beaucoup ne le savent pas parce que beaucoup n'ont pas suivi l'affaire du jeu. Et au début, le jeu a fait une grosse polémique par rapport aux gens voilés. Voilà. Malheureusement, beaucoup trouvaient que c'était un petit peu raciste de faire en sorte que ton personnage s'en prenne à des femmes voilées. Des mecs pas en soutane, hein, je m'excuse si y a des musulmans, mais la robe musulmane pour hommes, c'est pas une djellaba, c'est un autre nom. Enfin bref, ça faisait polémique à cause de ça. Moi personnellement, je trouvais pas. J'ai totalement craqué de chemin. À croire que ouais, je me suis totalement foiré de chemin. Ah, faut que je passe par le tunnel, non. Vous allez pas me faire ça, les gars. Si, je vais devoir faire tout le tour. Putain, la route est bloquée là. Mais on passait par où, bordel? Parce qu'avec l'endurance d'une petite fille de 5 ans, tous les strebons dans le coin. Tiens, j'y apprends pour tout le monde, pas mendiant. Tunnel là. Tiens toi, paf. Oh, m'approche pas. Putain, elle a des mouches, elle. Ça fait un moment qu'elle est plus fraîche, elle. Oui, tiens. Lui, juste en me voyant, il s'est pété la gueule. C'est moins brouillon le décor de Dying Light premier du nom, alors que
théoriquement, le premier virus vient de là. Quand vous regardez le Invite 2, certes, ça fait 15 ans. Mais en fait, c'est pas la nature qui a repris ses droits dans Dying Light 2, ce sont les poubelles. On va savoir pourquoi les poubelles ont une visibilité propre. Ah, ça y est, j'ai retrouvé. On va économiser un petit peu. Ninja ! Je suis foutu dans la merde. Toujours bon de tout looter. Je me suis foutu. C'est vous ? Oh, quoique. Attends. Avec un peu de chance. Voilà, c'était par ici. Avec Yazi là qui va vouloir qu'on aille retrouver. Ça l'a pris. Il cassait une vidéo. Il est dans celle-là, je crois. Non, celle-là. One shot, je m'en souviens encore. Personne n'est content. Alors vaut mieux faire plaisir à maman. Yazi ? Moi aussi, on a le même nom. Tu viens du vidéoclub ? Je m'appelle Crane. Crane ? Crane, ça rime avec chaîne, traîne, graine, chaîne, traîne, graine, peine. C'est un drôle de nom. Est-ce que je peux entrer ? Non, c'est impossible. Impossible. C'est mon jour spécial avec maman. La fête des mères, c'est le jour le plus important du monde entier. Est-ce que tu viens du vidéoclub ? Pourquoi tu me demandes toujours ça ? Tu dois m'apporter mon film, sur moi. Ça s'appelle okay. Charlie. Et ça parle que de moi, et de mon intelligence. Gazi, si je t'apporte ton film, est-ce que tu me laisseras entrer ? Bien sûr, tu pourrais le regarder avec nous. C'est la fête des mères. Si maman est pas contente, personne n'est content. Ah, et elle veut aussi des chocolats. Maman veut des chocolats. Non, non, attends un peu, ça fait beaucoup. Discute pas avec Gazi. Ça marche pas. C'est ce que disent les gens du magasin. Non, par contre, le forcing sur la voix pour faire un trisomique... C'est même pas un trisomique, en fait. Pas un trisomique, c'est un schizophrène. Alors, ouais, écoutez, je vais suivre la route. Je vais suivre la route principale. Ah, mais il y a le tunnel qui est juste là. On va tenter par là. Poussez-vous, poussez-vous. Descends-toi, descends-là, toi. Voilà, voilà, c'est bien, faites-toi la gueule. Voilà. Merci. Il y a rien. Dunkyard. Tiens, bouffe. Ah, c'est bien ce qu'ils sont bien, on peut pas repasser par là. Mais je crois que je peux monter sur la casse. Tout le monde se souvient de ces paysages, c'est fou. Je crois même qu'à un moment donné de votre vie, vous avez connu plus la map par cœur de Dying Light que votre propre ville. Moi, c'était le cas. Je
je vivais à Limoges et je connaissais plus Arran que Limoges. C'est dire, Limoges, je le connaissais extrêmement bien, hein, même beaucoup mieux que la ville dans laquelle j'avais passé 17 ans de ma vie. Enfin, j'ai survécu, mais... C'est quand même le Dawa. Et non pas le Jawa. Petite gare routière, tu vas là-bas, t'as un événement, je crois. De toute façon, je dois y passer. D'abord le chocolat. Chocolat ou vidéo club ? Vidéo club. Oui ! Il est nouveau celui-là. Allez là-bas. Voilà. Putain, il a volé l'enfant. Oh, qu'il avait une matraque, j'aurais bien aimé. Il est un petit peu solide le flic. Ça marche encore les slides. Descends. Descends. Putain, de faire un jumeau. Descends. Sale bête. J'en fais un double. Merde. Une triple brochette. Quadruple. Quintuple. Oh. Non mieux. Ah, les petits pecs, les fameux petits pecs et tout. Bon, on va la chercher cette cassette vidéo là. Ah. Ah, par contre, que je vous avoue là, rentrer dans le vidéo club. Si, je me souviens. Préparons-nous à courir. Bordel de merde, pas maintenant. Retard. Alors, c'est quoi son film ? Charlie, Charlie, la lettre C. Je l'ai. Voilà. Good. Et maintenant, le chocolat. Ah, pardon. J'ai perdu de la vie. Je crois que j'avais un point de compétence. Hein.
roue qui est tout sombre. Alors, compétence, un niveau de puissance. Cette relève. Scratch. Elle est même pas morte. Oh, c'est mon coin, je le sens. Non. Yes. Yes, yes, yes. Ah, yes. Je trouve qu'elle est meilleure. Oh, 15 en plus. Est-ce que je peux pas faire des pétards? Couronne. Ça ne les a pas fabriqués. J'aime ça. Crochet, je vais m'en fabriquer. Type de soin, ça vient de bon pour l'instant. Putain, je peux pas me débarrasser de ces salons. Cocktail. Non, pas le crochet, s'il te plaît. Enfin, cocktail. Un cocktail des Molotov. Gram. Voilà. Les petits. Allez. Oh, regardez, ça brille, c'est beau. Waouh. Putain, elle fait peur, elle. Mais ça va pas. Ça va pas, j'ai envie de faire chier comme ça, là. Tu sais pas la réaction que peuvent avoir les gens. Bah. Alors oui, je sais, je pourrais utiliser mon instinct, mais je n'aime pas. Pour Charlie, oui, parce que je sais qu'il y a un bug là-dessus. Attends, mais... Ah. Café. Ils ont peur de moi ? C'est ça. Je crois qu'ils ont peur de moi.
Allez, Yeti, pousse-toi. T'as. T'as le j'tong du futur, quoi. J'tong. Ça, c'était Mario. Tiens, voilà, toi aussi. Beaucoup plus nombreux, là. C'est ça que j'aimais bien dans Dead by Daylight, c'est que les zombies sont déséquilibrés, ils ne sont pas intelligents. Je crois que dans le 2 ils ont mis des potards au maximum, donc allez, ils sont pas des couilles, on le fait. Ah putain, c'est vrai qu'il faut que je fasse le tour par au-dessus, il faut que je remonte sur la route. J'avais plus l'endurance. Dans ma tête, j'allais faire un truc un peu plus épique que ça, mais... N'ayant plus l'endurance, j'ai trompé. Oh! Oh! Yes! Il n'y a pas d'autre. J'étais monté par où tout à l'heure là. Parce que là si je saute, je me viande. On est bien d'accord. Jolie zone de quarantaine. Jolie zone de quarantaine, il y a des goûts des noms d'eux. Il est un petit peu trop picolé. Gérard, l'autre bras, voilà. Non. Il est con, Gérard. Et toi, tu veux pas l'aider, là? Ouh, le peuple. En fait, Daylight, c'est un refuge de bourrés. Alors, déjà, inventaire. C'est lui qui est mort. Est-ce que c'était nécessaire? Non, mais ça me fait du bien. Une thérapie de groupe. Ouais? Voilà ton film et tes chocolats. Attends que maman voit ça! Gazi a encore gagné! Hourra pour Gazi! D'accord. Bon, je vais devoir passer par le toit. Pour ceux qui connaissent pas, il va y avoir la meilleure vanne du jeu. Enfin, moi, c'est une des vannes du jeu qui me fait toujours gonnerie, comme disent les jeunes. Bon, déjà, comment on monte ? Je crois qu'il y avait un truc avec les plateformes ici. Alors, c'est de l'autre côté. Je crois que c'est là.
de l'autre côté là. Quelle heure? Ça n'a pas bougé. Il est 19h30 depuis 30 minutes. Je vais se méditer là-dessus. Ouais, parce que contrairement à ce que beaucoup disaient au début du jeu, un truc très con, Kray n'est pas un agent secret ou le brut de décoffrage, non, non. Kay Crane est un... Comment dire ? Est juste un agent du GRE, et le GRE, c'est l'équivalent de notre Croix-Rouge, donc théoriquement, on n'est pas censé courir comme ça, quoi. Ouais, mais je m'en fous si moi j'ai dû faire le tour pour grimper. Alors que j'aurais pu littéralement... Ouais. Mais si, pourquoi tu reviens? Sans toper. Tu prends mes coups. One shot. J'aime ça. J'ai café en plus. Je crois que je vais retourner à la tour pour reprendre le café là. Sucreries. Ils sont même pas fait chier pour nous pour le coup. Sucreries. Je me sers à Yazi, hein, je me sers. Ouais, pour amener le café au frigo, je vais te taper. J'ai pris de bouffe les steaks hachés crus comme ça. Alors si vous entendez des grognements de cochon, c'est rien, c'est juste le chien qui est en mode zoomis. Comme ça, quand même, le facochère là. Hein, mon facochère. Voilà la meilleure vanne. Bonjour, Gazier. Chut, le film a commencé. Maman regarde. Ça me fait rigoler de ouf. Surtout qu'il regarde rien, quoi. Y'a rien à la télé. Est-ce que maman est contente? Maman est très contente. Gazier lui a donné des chocolats et un film. Dans ce cas, je vais te prendre quelques médicaments pour aider mon ami. D'accord. Maman ne fait plus de crise depuis que sa tête s'est transformée en citrouille. Ils sont sur la table. Merci, Gazi. Gazi rend tout le monde content. Cette vanne me fera toujours rire, putain. Oh la vache. Théoriquement, c'était des analgésiques hein, qu'on devait trouver. On va retourner à la tour, puis je pense qu'on s'arrêtera là pour cette vidéo. Bah, je pense que je vais pas me faire chier, je vais passer dans mon tunnel là. Ouais, je vais passer dans mon tunnel qui est juste là. Ah! Ah ouais, la cheville. Elle a piqué. J'ai rentré dans le trou. Comme si, tu sais, un zombard était coincé dans l'eau et on lâchait une caisse. Oui, parce que les gens voient les zombies. Moi j'expose les faits. Pendant une apocalypse zombie, je peux mourir facilement en me faisant repérer par les zombies. Même si théoriquement, la conscience du zombie fait qu'il ne m'entend pas, il réagit qu'à son instinct. Pour une chose. Les zombies, déjà, médicalement parlant, sont théoriquement des cadavres ambulants. Un cadavre ambulant, s'il n'est pas... Moi, mon explication, elle est simple. Hein. Une épidémie de zombies, peu importe quelle est, un zombie aura à peu près 3 semaines de vie. Pas plus. Je m'explique. Et moi, j'aurai pas plus non plus parce que je rigolerai. Un cadavre, s'il n'est pas traité, le gonfle... Enfin, le ventre gonfle.
avec du coup ce qui s'ensuit, des gaz, des choses comme ça. Vous vous doutez bien que moi, hein, j'assume, j'ai 30 balais, mais j'assume, un paix bien placé, ça fait toujours rire. Imaginez-vous en train de ramper à côté d'une horde de zombies. Et là, tu as un zombard, sorti de nulle part, qui te met à lâcher un trou air, mon pote. Je ne peux pas, je ne pourrais pas, je serais mort de rire. Et je nous ferai repérer. Parce que oui, les gens sont là, ah, c'est épidémie de zombies, c'est la fin du monde. Non. Au premier zombie, ou alors, ben, premier. Tu respectes les trucs, tu joues pas au chaud. Mais pas au héros. Tu restes chez toi, j'attends qu'il finisse de parler. Tu restes chez toi 3 semaines. Au bout d'un moment, tu vas voir un peu comme. Comme dans V pour Vendetta, vers la fin, avec des explosions partout. Ou Fight Club. C'est quand même sacrément bizarre. Bah voilà, c'est pas con. Tu forces la population. Il a raison, tu forces la population à mettre un masque. Ils peuvent pas mettre un mort avec un masque. Et c'est tout ce que tu voulais me dire, putain, j'écoutais les bandes des trucs, moi. Berbère. Donc ouais, voilà ma théorie sur les zombies, hein, en cas d'épidémie. Bon, je meurs, mais. De façon héroïque. Et ça, les gens le diront. Ils meurent comment? Il y a un zombie qui a lâché une caisse dans l'eau, là. Hop. Repéré. Fauché dans la fleur de neige. Eh ouais. Eh ouais, mes potes. Je vais coup de pied au cul. Coup de pied au cul, vas-y. Ah, par contre, le chien, non, te lèche pas les couilles. Le chien, j'ai dit quoi? Merci. Allez, on va l'avoir quand même ce niveau là. Hop! J'aimerais bien débloquer au moins une compétence sur cette vidéo. Allègrement les couilles, goulûment les couilles, même si je puis dire. Non, mais tu te fous de ma gueule, là, il me reste quoi, un XP, là. Non, mais la barre, elle est un chouillette. Putain, c'était long. Alors, parcours. J'hésite entre la... Ah non, la voltige, c'est bien. Ça, on est ça, merci d'avoir été mon cobaye. Ne soyez pas jaloux, vous deux, là. Tiens, belle ma Louise. Allez, on retourne sérieusement à la tour, et je pense qu'on s'arrêtera là pour la vidéo. Bah, par contre, toi, l'endurance, hein, faut... ah, c'est le prochain truc que je débloque, l'endurance, je pense. Parce que... Bon. Ginette. Tu peux me tenir ça, s'il te plaît. Pendant une apocalypse zombie, moi je pense que je m'amuserais. Déjà, je ferais pas la même erreur que tout le monde d'aller dans un centre commercial.
dès le début de l'épidémie, non, 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 tu vas pas piller, tu prends pas ta voiture. La voiture, oh là là, non, scandale les voitures, scandale, non, non. Prends pas la voiture. C'est bon, il y a un pseudo-logo de ID Software. Ou 10 pour les 10 ans du jeu. Je pourrais peut-être faire quelque chose pour les 10 ans du jeu. En vrai, lui, un remake, enfin un remaster, je dis oui. Je dis oui direct. Prendre l'ascenseur, les vieilles cabines d'ascenseur. Mais en tout cas, mesdames et messieurs, ça va être la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je retourne il y a bientôt. Bientôt 10 ans. Attendez, je regarde lui faire la sortie de Dying Light 2. Premier du nombre. Il aura 10 ans l'an prochain. Oh, ça rajeunit pas. Oh, quand même, la claque. Ah ouais! L'an prochain, le 26 janvier 2015, il est sorti. Oh la claque! Oh la claque! Énorme claque dans la gueule. Et bien écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, les enfants, mes petits piliers de comptoir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à mettre la petite cloche pour avoir la notification de quand est-ce que je poste les vidéos. À peu près tous les jours. Là, j'ai pris du recul, en fait, je suis passé de Xbox à PlayStation, où j'ai dû tout reparamétrer. J'ai dû changer mon setup. Et j'ai repris les lives. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai repris les lives. Salut Timur. Bizarre comme nom Timur, mais je ne dirais rien. Allez, sur ce, les enfants, je vous laisse. Je vous demande de lever votre verre. Et il vous accoudez au comptoir. Et je vous dis call.